on va mettre des verts par exemple, 4 attaquants en blanc. De l'autre côté, on a 3 défenseurs en blanc, 4 attaquants en vert. On va jouer par demi-terrain, gardien de chaque côté. On ne peut pas passer bien sûr la moitié de terrain. On joue des 4 contre 3 en balle normale. Le dribble est interdit, on ne fait pas de faute. Et pour marquer des buts, on tire à deux mains. D'accord ? Et après, quand on a fini là, hop, on passe dans cette moitié de terrain. C'est bon ? On y va ? Allez, prenez un ballon, vous m'amenez un ballon. Hey, les défenseurs, je ne veux pas voir de défense comme ça. Hein. Vous montez sur le demi-terrain. D'accord ? On y va ? Attention, allez. Non, non, mais on joue avec un seul ballon. Vas-y, vas-y, mais joue avec celui-là, si tu veux. Joue avec celui-là. On y va ? Allez, c'est parti, Jean. Montez les défenseurs, voilà. Là, tu marques à deux mains. Ok, tu relances, relance vite, relance avec les verts. Relance avec tes joueurs de ton camp. Voilà, maintenant, tu peux passer dans l'autre moitié. Ok, voilà. Oui, c'est bien ça. Allez, hop, relance, 1-0. Démarque-toi, démarque-toi. Voilà, tu dois obligatoirement faire une passe dans la première moitié de terrain. Perdu. Allez, joue, 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 joue vite. Continuez à vous échauffer quand vous êtes sans le ballon. Hein. 2-0. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Voilà, défense type basket, qu'avec les bras. 2-1, joue, relance vite. Joue vite, relance vite, regarde le joueur libre là, voilà. Gardien de but, c'est ça, tu sors de suite de ton camp. Ok, donne-moi le ballon. Cette fois, vous allez inverser dans chaque moitié de terrain. Vous inversez, voilà, ceux qui étaient en attaque, vous passez en défense, rapidement. Quand vous récupérez le ballon, vous ne pouvez plus faire de passe dans la première moitié de terrain. Vous êtes obligé de venir jouer dans la deuxième moitié de terrain. Ça veut dire qu'à l'opposé du shoot ou de la récupération de balle, il faut vite se démarquer pour donner des solutions. Vous avez droit qu'à un maximum une passe pour aller de l'autre côté. Ok ? Jeu. Voilà, tu dois jouer à l'opposé là-bas, voilà. En défense à l'opposé, essayez de jouer les touches. Vas-y, joue vite. Essayez de jouer les trajectoires, montez, hein, ils vont relancer directement, là. Voilà. Bien joué, ça. But, joue, tu dois relancer à l'opposé là-bas. Là-bas. Ouais, voilà, c'est là où il faut être. Donc l'objectif de... Vas-y, jouez, jouez, jouez. L'objectif de cet exercice, c'est de travailler sur les relances longues et le... Stop, 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 stop. Non, redonne là-bas, redonne, regarde. Non, si vous restez là, ça n'a aucun intérêt. Hein ? Essayez, il doit relancer directement, donc montez, et toi, gardien de but, reste pas dans tes buts, essaye de jouer la trajectoire, voilà, ok ? Alors vous allez observer... Vas-y, joue. On peut observer le travail du gardien de but sur le repli défensif, notamment, où la plupart du temps, les gardiens de but oublient qu'ils ont un rôle à jouer dans le repli défensif. Pas de faute, pas de faute. Voilà, ça, c'est... Joue, voilà, presse, presse, presse. Ah, dommage, t'es un peu en retard. C'est dommage, c'est pas grave, enchaîne. Allez, voilà. Montez là-bas, là, 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 là. Stop, top, 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 top. Remets, remets. Regarde. Quand il a la balle, vous avez 4 joueurs. Vous êtes 3 plus le gardien. Essayez par exemple de le forcer à shooter de loin pour essayer de récupérer le ballon. Okay ? Soyez plus offensif dans la récupération de balle. On y va. Jeu. Ah, tu t'es fait avoir là. 1-0. Voilà, ça s'appelle la prise de risque. Jeu. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Vas-y, joue, joue, continue à jouer. Pas de faute, jouez. Voilà. Allez, on essaye sûr de jouer sur la récupération là-bas. Voilà. Oui, ouais. Là, tu l'as gagné, tu vois, tu as gagné un ballon déjà. Je, pareil de ce côté, tu dors le gardien là, regarde. Bien joué. Stop, 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 stop. Jeu. Allez, récupération de l'autre côté là-bas.
Ah, il est fort à la relance, lui. Alors, ce que l'on va essayer de faire, c'est sur la phase de transition, qu'il y ait but ou qu'il n'y ait pas but, peu importe, on va essayer de créer le surnombre le plus vite possible et pas d'attendre qu'on soit en attaque placée, avec, dans un premier temps, le gardien de but qui va sortir très très vite. Tiens, mets-toi le blanc, mets-toi sur le côté là. Voilà, à la table. Là où... Vas-y, en courant dans la zone de changement. Voilà. Donc le gardien de but va relancer très vite, sortir en sprint, et ce joueur-là, là, elle est là, la zone de changement, là. Sinon, t'es... Voilà. Et le vert, l'autre vert, tu te mets là-bas. Voilà. Qui est pivot dans cette équipe? OK? Ça t'arrive de jouer pivot de temps en temps? Eh bien, tu vas essayer pour la première fois de ta vie. Donc, tous les deux, vous allez partir en position de pivot. Toi, tu vas te mettre au centre comme un demi-centre. Et toi, quand tu vas rentrer, c'est comment ton prénom? Lucas? Eh bien, Lucas, quand tu vas rentrer, tu seras arrière-gauche. Ça tombe bien, tu es arrière-gauche. C'est ça? Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver à 7 contre 6. D'accord? Les autres, vert, vous essayez le repli défensif, vous essayez de ne pas prendre le but. On essaye? Donc, vous faites circuler le ballon en rentrant dans les 9 mètres à chaque fois. Et à mon signal, vous allez le lancer dans la zone, pas sur le gardien. Hein. C'est parti, jeu! Allez, hop, plus vite. Déplacez-vous, les défenseurs. Déplace-toi. Gardien, hop, laisse tomber la balle. Joue, sors vite, tu devrais être sorti déjà, dépêche-toi. Joue, là, il y a touche. Enchaîne, voilà. Allez, joue. OK, on revient ici. Revenez. On va pas faire que de la course à pied ce matin, quand même. Les verts en défense. Hop, 6, tu sors, tu ressors, voilà. OK. Alors, vous allez voir. Maintenant, pour faciliter un petit peu l'exercice, dans un premier temps, au moment où je dis hop, je donne un coup de sifflet, le joueur qui a le ballon, il va courir avec le ballon, poser la balle dans la zone, et après, il fait le repli défensif. OK, c'est parti, jeu. Donc, pareil, tu vas rentrer à droite, là. Tu vas rentrer en position d'arrière droit. Attention. Hop, cours. Pose-le. Allez, relance. Tu devrais être sorti déjà. Sors. Dépêche-toi. Allez, lâche ta balle. Regarde ce qui se passe. OK. Attention, parce que si on joue ça, faut être efficace. Hein, on se replace. Donc, vous avez bien compris, chez les verts, il faut qu'il y ait deux pivots à chaque fois. Hein, voilà. On y va, jeu, Aïchen. Pensez à poser, à courir et à poser la balle. Allez, cours, pose-la. Allez, relance. Et tu sors vite, tu devrais être dehors déjà. De l'autre, voilà. Aïchen, lâche ta balle. Joue encore, là, il y a un coup.